إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اليوم نتحدث عن خلق من كان فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى وصار محبوب عند الله ويحبه الناس كذلك ويجعل الله له البركة في تجارته وينقذه الله من بلواه ولو بمعجزات ومن لم يجد هذه الصفة فيكون قريب من الشيطان يغضب الله عليه ويبغضه الناس ويقل البركة أينما كان في تجارته أو في بلده ما هي حفظ الأمانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له Aujourd'hui on va parler d'une qualité celui qui a cette qualité se rapproche du degré de Sidiqiyya c'est-à-dire c'est un degré juste en dessous du prophète alayhi salatu wa salam et il sera aimé d'Allah et aimé des gens et les gens ils vont le rechercher et Allah il lui bénira dans ses affaires mondaines et dans l'autre vie et s'il se retrouve dans des difficultés Allah il le sauvera même si c'est avec des miracles et celui qui n'a pas cette qualité il se rapproche du shaitan et Allah il sera en colère contre lui et les gens ne l'aimeront pas et il n'aura pas la bénédiction dans son commerce ni dans son pays où qu'il soit ce comportement et cette qualité c'est le fait de préserver le dépôt et de respecter le dépôt et les engagements le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'a pas de foi celui qui n'a pas de respect du dépôt wa hifdhul amana yakun bi kulli shay سواء كان مالا أو سرا أو تجارة أو غير ذلك فإن كان مالا فعليك أن ترجعه إلى صاحبه بدون أنك تشعر أن لك فيه حق أو أن هذا المال بسبب بقائه عندك تحس أنه لك فترده إلى صاحبه وإن استطعت بمثل النقود الذي آتاك فتردوا وترجعوه إلى صاحبه والذي يهتم بحفظ الأمانة الله سبحانه وتعالى سيرفع قدره كما أخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة رجل من بني إسرائيل خلف 1000 دينار من صديق له فقال هذا الرجل ائتي بشهداء فقال كفى بالله شهيدا فقال ائتني بكفيل فقال له كفى بالله وكيلا وكفيلا فذهب ب1000 دينار حتى أن جاء يوم الذي اتفقوا عليه برجوع هذا المال لم يجد مركبا يركبه فكان حزينا لأنه كان يهتم ب رد الأمانة فوجد خشبة فقال يا رب إن هذا الرجل أعطاني 1000 دينار وجعلتك أنت شهيدا وكفيل فأجعل هذا الدينار 1000 دينار في الخشبة ومعه رسالة فأنت تكفينا وترده إلي فبعدما وجد سفينة يركبه جاء إلى صاحبي المال يعتذر قال كنت اجتهدت لآتي ولكن فقال له اليوم الذي اتفقنا على رجوع المال ذهبت في شاطئ البحر كان لعل كان حزينا مهتما فوجدت خشبة أخذته لي أستعمله لأهل بيتي فلما فتحته وجدت
ألف دينار مع رسالتك، فالله سبحانه وتعالى كفانا شهيدا ووكيلا. Et le respect du dépôt, il doit être pour toute chose, que ce soit pour une somme d'argent, que ce soit pour un secret, que ce soit pour quelque chose qu'on t'a confié. Tu dois le respecter et faire de ton mieux pour être digne de cette chose-là, de ce dépôt-là. Et si c'est une somme d'argent, quand il vient le moment où tu dois le rendre, tu ne dois pas sentir comme que cet argent il t'appartient, ou parce que cet argent tu l'as gardé longtemps, tu as un droit dessus. Tu n'as aucun droit dessus. Ils t'ont fait confiance, ils te l'ont placé. Quand tu le rends, tu dois le rendre avec facilité, pas mettre de difficultés. Et même si tu peux, tu le rends avec les mêmes billets qu'on t'a confiés. C'est-à-dire pas juste la même somme, les mêmes billets. Tu dois respecter entièrement et complètement. Et celui qui a dans son cœur l'envie de respecter le dépôt, il prend beaucoup de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre que ce n'est pas juste ta prière qui te donne de la valeur, ou ton siyam, ou ton jeûne. Ce type de qualité, il te donne beaucoup de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que Allah il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une histoire d'un homme pour que toute la communauté puisse en profiter. Le hadith il est dans le Bukhari. Abu Hurayra radhiyallahu anhu nous dit qu'il y avait un homme parmi les Banu Israël, peut-être qu'il voulait partir en commerce, il a demandé à un autre, donne-moi 1000 dinars, prête-moi 1000 dinars. L'autre lui a dit, ramène un témoin. Il a dit, Allah, il nous suffit comme témoin. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il a dit, ramène quelqu'un qui va être garant. Il a dit, Allah, il suffit comme garant. Il a dit, t'as raison. Et il lui a confié les 1000 dinars. Et l'autre, il est parti avec l'argent, et le jour où ils se sont mis d'accord pour rendre l'argent, il n'a pas trouvé de bateau pour revenir. Et il était vraiment triste, parce que c'était quelqu'un qui donnait beaucoup de valeur à quoi ? À respecter les dépôts, respecter les engagements. Et il a pris un morceau de bois, il l'a ouvert, et il a dit à Allah, ce jour-là, cet homme m'a demandé un garant, j'ai dit, toi, tu suffis comme garant. Il m'a demandé un témoin, j'ai dit, toi, tu suffis comme témoin. Et Allah, je place cet argent-là, les 1000 dinars dans ce morceau de bois avec un papier et je vais le jeter à la mer. Ya Allah, ramène-lui cet argent. Et donc, après son retour, il est parti voir cet homme paniqué et triste et avec 1000 dinars en plus. Il a dit, écoute, voilà l'argent que je te devais. J'ai raté le bateau, mais franchement, je voulais vraiment bien faire. Et l'autre a dit, non, ne t'inquiète pas. Le jour où on s'est mis d'accord là, pour que tu me ramènes l'argent, je suis parti et j'ai vu aucun bateau. Et j'ai vu un morceau de bois. Je me suis dit, je vais ramener ça à la maison. Le faire sécher, l'ouvrir et utiliser pour le feu de ma maison. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu le sac avec l'argent dedans et ton message. Et Allah, il nous a vraiment suffi comme témoin. Et Allah, il nous a vraiment suffi comme garantie. Ayakoun hifdhu al-amana للأسرار إن جاء إليك أحد يحدثك بحديث يريد أن تكتمه وتمسكه فلا تخبرن حميما أو كاتم سرك فتخون بالأمانة والله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن سورة على هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلى بعض أزواجه حديثا فلما اكتشفوا وأخبروا بسر النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية إن تتوبا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والله هددهن بالطلاق إن طلقكن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن من أجل ماذا كتم السر. Et le respect du dépôt, ça doit être aussi le respect de tout ce qu'on te confie, même si c'est une parole, même si c'est un secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un il te vient et il commence à te parler avec une voix basse, sache qu'il se confie à toi. Donc tu dois respecter ce dépôt qu'il te fait. Nous, on voit ça, c'est une petite chose, c'est juste une parole, c'est juste un petit secret.
Mais Allah SWT donne beaucoup d'importance à cela. Et toi, tu ne dois pas en informer ton confident. Tu dis, hey, je te confie quelque chose qu'on m'a confié, il ne faut pas le dire. Et lui aussi va dire à quelqu'un d'autre en qui il a confiance, je te confie quelque chose qu'il ne faut pas le dire. Non, tu dois garder cela. Et ce secret doit mourir en toi. Et ça a tellement d'importance. Allah il a descendu une sourate dans le Coran, une sourate Tahrim, l'interdiction, où le prophète sallam il avait confié à certaines de ses femmes un secret et elles l'ont divulgué. Et Allah il a dit, si vous vous repentez, on va dire que vos cœurs ils ont faibli, ils ont flanché. Mais si vous vous liguez contre lui, sachez que Allah il est son allié. Et Jibril aussi, il est pieux parmi les croyants. Et les anges ils sont en renfort aussi. Pourquoi? Pour un secret. Allah il a mobilisé toutes ces troupes là. Et il allait plus loin, il les a menacés du divorce, alors que le divorce est une chose grave dans l'islam. Il a dit, si il vous divorce, Allah va lui donner mieux. Tellement que le fait de garder le secret, c'est, il a sa place, c'est le respect du défaut. وَكَذَلِكَ حِفَاظَةُ الْأَمَانَ يَكُنْ فِي الْمِهْنَ وَفِي الشُّغُلْ تَكُنْ تَعْمَلْ وَرَاءَ صَحِبُ الْمَحَلْ كَمَا تَعْمَلُ أَمَامَهُ وَدَائِمًا تَقُولُ فِي نَفْسِكْ هل لو كان أنا صاحب المحل صاحب الشغل صاحب الخدمة أقبل أن يفعل بي هذا وهذا. جاء في قصة أن غني كان له حديقة وكان له مملوك فجاء بي بعض ضيوفه إلى الحديقة فقال لي هذا الخادم ائتني بالفواكه فكان يأتي إليه بالفواكه غير ناضجة فقال له صاحب الحديقة أنت منذ سنوات تشتغل هنا ولا تعرف من الفواكه أفضلهن من أدناهن ذوقا فقال أنت استعملتني لأشتغل في الحديقة لم تستعملني لأذوق الفواكه فإني لم أذوق أي فاكهة من هذا الحديقة البتة فتعجب منه فأطلقه وهدى إليه هذه الحديقة. Et le respect du dépôt, ça doit être aussi dans le travail. Que tu agisses derrière le patron comme tu agirais devant lui. Et que tu respectes le travail qui t'a été confié. Et que tu te dises, si c'était moi le patron, est-ce que j'accepterais qu'on fasse ceci derrière moi ou cela? Il est venu dans une histoire qu'il y avait un riche, il avait des jardins. Il avait des serviteurs, des esclaves qui travaillaient dedans. Et un jour, il a ramené des invités dans un de ses jardins. Il a dit à l'esclave, ramène-moi des fruits. Et l'esclave lui a ramené des fruits qui n'étaient pas encore mûrs et de piètre qualité. Et le propriétaire, il a dit, mais toi, ça fait des années que tu travailles ici et tu ne connais pas dans les fruits ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il a dit, moi, tu m'as engagé pour travailler, pour produire les fruits. Tu ne m'as pas engagé pour goûter les fruits. Et jamais j'ai goûté un de tes fruits. J'étais étonné. Devant toute cette abondance, tu n'as pas goûté une seule fois. Tu as dit jamais j'ai goûté. Moi, on ne m'a pas embauché pour goûter. Alors ça lui a tellement plu qu'il a libéré cet esclave et lui a donné le jardin en cadeau. فَلِهَذَا عَلَيْنَا كُلُّ وَاحِدْ مِنَّا يَشْتَهِدْ كَيْفَ يَأْتِي فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةَ الْمَحْمُودَةَ Al-Mahbouba indallah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous doit fournir l'effort. Comment ces qualités-là de respect du dépôt, dans toutes sortes de dépôts, ce respect-là, il vient en nous. Parce que avec ça, tu seras aimé auprès d'Allah et tu seras élevé auprès d'Allah. Akuli kawli hada wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru. Innahu huwa al-ghafur. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا تؤمن خان إذا تؤمن خان وإذا غضب فجر
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ويقول أيضا من غشنا فليس منا، أي ليس مؤمنا حقا، لأنه يغش المسلمين والمؤمنين وغيرهم. وبعض البلدان لا يتقدمون وهم ينظرون هذا أن هذا التأخير بسبب فلان أو بسبب فلانة، ولكن في الحقيقة لا يظلمهم قوم ولا يظلمهم أمة ولا يظلمهم دولة، إنما هم الظالمون بأنفسهم على أنفسهم. تجد في بعض الأماكن كم يصعب أن تجد من تثيق إليه، من يحفظ الأمانة، كيف تبني شريكة بمن يثق، كيف تبني بيت، قل من تجد يهتم بهذا الأمر. حتى صار عادية منتشرة معروفة في بعض الأماكن. سمعت في مدينة ولا أسميها، أميرا قال للناس: أنتم اشتبيتموني قبل سنوات وما زلت آكل من أموالكم حتى شبعت، فإن ترطوني فرصة ثانية الآن أعمل لكم وأقدم البلد وأفعل لكم، ولكن إن اختارتم غيري فهؤلاء الداخلين يكونوا هم جوعانين كما كنت من قبل، فهم سوف يأكلون أموالكم كما أكلته، فأوتوني فرصة ثانية وأنا أعمل لكم. أي صار عادي عندهم وعند الكثير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا شأن: نعم المرضعة وبئس الفاطمة، أي لها ذوقة لذيذة ولكن آخره عقاب عذاب، أجاننا الله وإياكم. Et le respect du dépôt, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en parle dans plusieurs hadiths. Et dans un hadith, il dit: les signes de l'hypocrite, ils sont trois. Quand il parle, il ment. Et quand tu lui fais confiance, il trahit ta confiance. Et quand il s'énerve, il dépasse toute limite. Même s'il prie, même s'il jeûne, et même s'il prétend être musulman. Quand il parle, il ment. Et quand tu lui fais confiance, il trahit ta confiance. Et quand il s'énerve, il dépasse toutes les limites. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend être musulman, c'est de l'hypocrisie. Et dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas un musulman complet. Et il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de pays qui n'avancent pas à cause du quoi ? À cause du non-respect des dépôts. Que tu ne trouves personne en qui tu peux faire confiance. Tu veux monter une société, tu veux construire une maison, tu veux faire avancer les choses. Mais tous ceux qui sont là, ils sont là que pour manger. Ton argent est volé. Tu as du mal à trouver quelqu'un en qui tu vas faire confiance. Et dans certains endroits, c'est tellement répandu que c'est connu et les gens y vivent dans cela. Il y a le maire d'une ville, et je ne dis pas la ville, comme ça chacun d'entre nous se sent concerné. Il a dit: vous m'avez élu il y a quelques années, et tout mon mandat, j'ai fait que de manger votre argent. Vous le savez, je le sais, c'est pas caché. Il a dit: mais maintenant je suis rassasié. Si vous me donnez une deuxième opportunité, là je vais vraiment travailler pour vous et je vais faire avancer la ville. Mais si vous faites l'erreur de choisir d'autres que moi, ceux qui arrivent là, ils ont faim aussi. Ils n'ont pas encore mangé. Eux, ils vont manger comme moi j'ai mangé. Donc le mieux, choisissez-moi. Moi, je suis repu. Ça y est, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Tellement que c'est devenu répandu dans beaucoup d'endroits. Et les gens, ils pensent: c'est à cause de tel pays qu'on n'avance pas. C'est à cause de tel ennemi. Mais il faut regarder comment il est le peuple. Est-ce que tu trouves chez eux des dignes de confiance ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ceux qui trompent,
dans ce type d'affaires. Il dit, ça a un bon goût au début, mais la fin, elle est mauvaise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des mauvaises fins. Face au khutbah, chacun il doit regarder pour lui. Est-ce que moi, je respecte le dépôt? Il ne faut pas regarder pour les autres. Est-ce que moi, je respecte les secrets? Est-ce que moi, je respecte le poste de travail qu'on m'a confié? Est-ce que moi, je respecte l'argent qu'on m'a confié? Est-ce que moi, je suis digne de confiance ou pas? Parce que malheureusement, Shaitan, il travaille beaucoup sur les musulmans pour qu'ils ne soient pas dignes de confiance. Pour qu'ils ne soient pas dignes de confiance. Le non-musulman, Shaitan, il sait qu'il n'a pas la foi et les bonnes actions pour entrer au paradis. Alors, il ne fait pas beaucoup de travail sur lui. Parce que le voleur, il va là où il y a quelque chose à voler. Mais il va chez les musulmans pour travailler sur les musulmans, pour qu'il ait ces caractères qui vont le ramener à l'hypocrisie et qui vont le ramener à sa perte. Fait que chacun d'entre nous, il fasse attention. Et on demande qu'Allah nous fasse des gens dignes de confiance. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin wa ja'alna al-muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا كلنا ولا تكن علينا ارحم موتنا واشف مرضنا وتول امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واحشرنا في زمره نبينا واهدي شبابنا واستر نسائنا ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أخ من إخواننا طلبا له الدعاء اللهم يسر له في أموره اللهم يسر له في أموره إن كان مريضا فاشفيه إن كان فقيرا فاغنيه وإن كان محتاجا فاقضي له حاجته ونحن معه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل صلاتكم الراشدين يوم يحمى عليها في نار جهنم
إنما فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله